que c'était à Valoris que Picasso a pu réaliser ses très nombreuses œuvres céramiques. On a sélectionné un ensemble d'œuvres emblématiques qui nous permettent de retracer les différents processus qui permettent à Picasso de créer ses céramiques. On commence en fait par l'Antiquité, l'influence de l'Antiquité, avec notamment ces petites sculptures qu'on appelle Tanagra, en référence à une ville de la Grèce antique. Et Picasso modelait en fait des vases ou des bouteilles qui venaient d'être tournées dans l'atelier et il recréait des petites sculptures. On présente aussi des pièces élaboré à partir des dessins préparatoires de Picasso, qui au début notamment a réalisé de très nombreux dessins lui permettant de voir comment, à partir d'éléments de la céramique usuelle, il les métamorphose, il les transforme en sculpture. La rencontre de Picasso avec Valoris, elle se fait d'abord au travers de la céramique, puisqu'il vient visiter une exposition des potiers et il va s'installer par la suite de longues années à l'atelier Madura. Mais du coup, il va déménager dans la ville et des liens vraiment très forts d'amitié vont se nouer. C'est plus de 20 ans que Picasso a travaillé chez Madura. Ça s'est passé avec des jours dans la sérénité la plus parfaite. Jamais un mot plus haut que l'autre. Tout était dans le calme. La gentillesse, la modestie de Picasso aussi. Ça, à l'heure actuelle, on dit tellement de choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ça qui me désole beaucoup, qui me fait mal aussi. En somme, dans l'atelier, il était comme dans un jardin d'Arcadie, dans la mythologie. Vous voyez, au milieu des satyres, de tous ces dessins, de toutes ces poteries qui le regardaient. Et ça a été des moments merveilleux. Et vous voyez, aujourd'hui que nous fêtons ces 50 ans de sa disparition, mais pour moi, Picasso n'est pas parti, il est toujours présent et vivant.